Hi, I'm Graham Evans. I'm an illustrator and designer. I live in Paris. There were two workshops. One was packaging and the other one was poster making. Packaging was done by Jeanette and poster making was done by Graham. So the students had a choice to make a poster. One was about the Paris commitment and second is about the SDGs goal, the social development goals. And we had to make posters related to both to encourage people to join the agreement, Paris agreement. Au début, au niveau de la compréhension, c'était un peu difficile. Mais au fur et à mesure de la semaine, au niveau déjà de l'anglais et du projet, ça s'est développé. Et je suis contente du résultat de la semaine et je trouve que c'est assez positif parce que à Paris ça se serait pas passé pareil dans le sens où on est moins avenant envers eux et au niveau du travail aussi c'est une manière de procéder complètement différente. De faire ça dans un autre pays hyper loin de tout, c'était super agréable et les élèves ici ils étaient hyper accueillants, hyper chaleureux avec nous. Et ils nous ont proposé plein d'aides et de trucs. Du coup, c'était des conditions idéales pour travailler. The difference is that the Indian students are more analytical in their thinking, and I think the French students are more visual in their thinking. So in a way, it was quite good because they sort of balanced each other out in some way. He gave us an overview, an overview of the brief, but then he also helped each person individually and I saw about 7 or 8 people's work initially, and then after Graham spoke to them, the work was elevated. It was somewhere else. Honestly. Le fait de tout mettre en commun, c'est quelque chose dont j'ai pas forcément l'habitude. Moi, je travaille toujours de mon côté. Et avec ce prof-là, on a vraiment tout mis en commun. Donc en anglais, avec les étudiants indiens qui sont très avenants, très sympathiques. Donc on a pu tous mélanger nos idées. Et au final, j'ai recommencé mon affiche beaucoup de fois, beaucoup plus que si j'avais travaillé moi tout seul. Donc je pense que travail est de meilleure qualité à la fin de cette semaine, complètement. There is a sort of Indian quality in the sense that there's a slightly handmade feel that we don't see anymore, and I think that's lovely. I think it's really great to see that. Thank you.